Élisabeth qui fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Alors voilà un verset qui m'interpelle. On entend Élisabeth qui s'écrie d'une voix forte, d'une voix forte. Voilà qui est bien différent du texte de l'Annonciation faite à Marie, où l'ange lui parle avec douceur, on peut l'imaginer. Voilà qui est bien différent de l'Annonciation faite à Joseph, avec l'ange qui lui parle en songe, avec douceur, on peut l'imaginer. Et voilà maintenant une Élisabeth qui exprime sa foi avec force, en criant. Voilà un comportement qui est bien loin de ce que je vis moi-même dans ma façon de m'exprimer et d'exprimer ma foi. C'est un peu comme si Élisabeth prenait le relais de l'ange pour crier à Marie et au monde ce qui se passait. C'est un peu comme si Élisabeth prenait le relais du Seigneur, cette fois-ci, pour exprimer de vive voix le mystère qui était en train de se réaliser. Cet enfant qui va naître du sein de Marie, il a pris chair en elle. Il sera homme de condition humaine. Et pourtant, il sera en même temps béni de Dieu et conçu de l'Esprit Saint. Il sera fils de Dieu. Marie qui porte Dieu, Marie qui donne Dieu au monde, faut-il le murmurer comme un songe ou faut-il le crier au monde? Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre comme Marie, de prendre le temps de t'écouter, de te laisser agir en moi, de te laisser prendre chair dans ma vie, dans mes actes. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de vivre comme Élisabeth, afin de crier au monde ma joie de t'accueillir, de vivre en toi et avec toi. Comme petit point concret, je vous invite tout simplement à prier le « Je vous salue Marie » et à réfléchir au sens que vous donnez à ces paroles « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni ». Quelle conviction je mets derrière ces paroles ? Est-ce pour moi un acte de foi profond ? Et est-ce que j'ai envie de crier ces paroles au monde ou est-ce que j'ai envie de les garder pour moi en secret ?